Bonjour à tous, Zertirons pour les intimes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu qui s'appelle Panorama. Vous allez voir, ça va ressembler énormément à Dorf Romantique que j'avais pu faire sur la chaîne par le passé. C'est un jeu qui est sorti le 9 mai 2023, développé par Chicken Launcher, édité par Awaken Realms. Et en gros, c'est un jeu de création, un jeu créatif de puzzle, de construction de ville. En mode chill, en mode détente, vous allez voir, c'est très sympa. C'est vraiment en mode casual. Vous jouez tranquillou bilou en rentrant du boulot. Vous jouez tranquillou bilou en ayant installé un ordinateur dans vos chiottes. Bref, le classique. On va faire une partie standard, je vais vous montrer tout ça. Mais si vous connaissez Dorf Romantique, bah c'est tout simple. On commence avec une tuile comme ça, voilà. Oh, c'est la tuile, ouais, c'est ça. En bas à gauche, vous avez le score qu'il faut atteindre. Et à droite, vous avez des tuiles générées aléatoirement. Par exemple, là, une tuile de montagne, ensuite une tuile de champ. On en a 40. Et il va falloir, eh bien, tout simplement, placer les tuiles et faire des bonus. Voilà, des bonus de points. Donc, c'est-à-dire cumuler des tuiles semblables. Par exemple, mettre des tuiles fermes à côté des tuiles fermes. Voilà, tout simplement. C'est très, très... C'est très tranquille, très détente. Vous avez aussi des tuiles qui sont multiples. Donc, tu vois, la tuile fleur... Et une tuile, comment on appelle ça, forêt, hein, tout simplement, hein, voilà. Et puis c'est magnifique, on va placer, ça améliore, vous voyez, ça fait des points en plus, et ça améliore les tuiles, les biomes qui sont à côté. Voilà, donc ça fait des points en plus, plus 3, ça fait plaisir. La fleur, c'est l'avantage de la fleur, c'est que la fleur améliore toutes les tuiles alentours. Enfin, ça améliore, entre guillemets. Donc là, vous voyez, par exemple, si je la mets là, ça me ferait un point. Et si je la mets à côté d'une tuile adjacente semblable, eh bien, enfin, si je la mets voilà, à côté d'une tuile semblable, là, ça fait plus 2. Donc, on apprécie, on s'en met plein la ganache, on s'en met plein l'anus. Ici, on a une triple tuile, à la fois de la maison, à la fois de l'eau, à la fois de la montagne. On le place là, ça fait du bonus. Ouais, vous voyez, hein, vous voyez, c'est très, très joli, très mignon. Là, je suis en méga zoomé, c'est assez... assez agréable, on aimerait en manger plus souvent. Ah, les étoiles, c'est il y a une quête. Donc vous voyez, là, il y a une quête. Il y a une quéquette, plus 5. Ah, c'est pas mal, plus 5. Ouais, je pense qu'on trouvera pas mieux, là. Voilà, plus 5. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Placement incorrect. Pourquoi placement incorrect? Merde, j'ai placé un truc. Bon, c'est pas grave, écoutez, placement incorrect. On les emmerde. Oh, une fleur. Voilà, on va améliorer tout ça. On peut revenir en arrière aussi, Si j'ai chié, à côté, ça peut être pratique. Ici, j'ai pas de forêt. Ah si, j'ai une forêt à deux, voilà. Ici, une petite, petit poids bonus. Les fleurs pour améliorer tout le bordel. La forêt. Et quand on atteint le nombre de points, ça va nous redonner des tuiles. Parce que la partie s'arrête quand on n'a plus de tuiles. Et c'est un petit peu dommage, voilà, c'est la tuile. On peut continuer à faire le jeu de mots pendant très longtemps. Mais c'était déjà pas drôle au début, ça ne le sera toujours pas. Au bout de 20 fois, on va placer les cailloux, la maisonnée, la douce et tendre maisonnée ici. Ah, une quête. Une quête à plus 3. Je le place au pif. Placement incorrect. Oui, t'inquiète, je rejoindrai ça. Je crois que je peux... On doit voir, placement incorrect. Oui, non, il me dit juste que je peux aller me faire foutre. Mais écoutez, c'est pas très grave, on ira se faire foutre. Est-ce qu'on place des choses? Ah, plus 2. Oui, bah écoute, plus 2. Là, il veut rien d'autre. Une gougoutte d'eau. Ah, on a obtenu un truc supplémentaire. Alors, choisissez un bonus. Place immédiatement 10 types de tuiles. Eau. Dirigeable des collines. Agrandit la zone de placement des tuiles. Café rural améliore immédiatement 10 types de tuiles maison. Eh ben, on va améliorer... Comment ça? On va placer cette merde là, et il faut ensuite que je réalise un petit peu ce bordel, ce qui n'est pas... vous voyez, il faut que je place les bonnes tuiles aux bons endroits, mais ce qui n'est pas, ma foi, donné. Ce qui n'est pas forcément donné. Encore une quête? Ah non, mais j'en veux plus des quêtes, j'en veux plus. Tiens, on va te placer là. Une eau, voilà, une eau là, une fleur ici, un petit sanglier ici, voilà, hop, elle est contente. On obtient des gros points, ça fait plaisir, on s'en met plein l'anus. On est là, ensuite il veut quoi là? Il veut une maisonnée ou de l'eau. Une maisonnée ou de l'eau, ok. Et là une montagne, de l'eau, moi j'ai de l'eau, on va la foutre là. La maisonnée ici, vous voyez là en gros il faut encore deux cases maison. Là c'est pas mal comme ça.
Ouais, ça fait des bonus, ça fait des bonus. Des fleurs, des fleurs. Qui veut des fleurs? Eh ben, on va en placer là, des fleurs. Une montagne. Allez, et voilà. Hop, ça fait un geyser. On obtient plein de tuiles. Et ça fait un beau petit geyser. Une bonne petite ambiance en mode... ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça place immédiatement des types de tuiles eau. Ah oui, c'est ça, ouais. Plein d'eau partout. Donc là, on peut se faire un putain d'océan. C'est très joli, c'est très jovial. Une maisonnée, sauf que la tuile, faut qu'elle soit ouverte, parce que là, vous voyez, si je mets là, bah, ça ferme totalement, et du coup, bah, terminus dans l'anus, quoi. Du coup, la quête est terminée et échouée, parce qu'il faut se laisser la possibilité d'être ouvert d'esprit, mais aussi de corps, un large your penis, un large uranus, comme on dit dans le jargon des anus. On va placer ça ici. Encore une quête. Non, mais j'en peux plus des quêtes. J'en peux plus des quéquettes, là. De toute façon, ici, elle est jamais contente. Donc, on va peut-être les... Ah, eux, ils sont contents. Voilà, regardez. Beaucoup de points. C'est formidable. Des nouveaux bonus. Par l'anus, ce n'est pas du bonus. Petit arbre dans les rochers. Ah, bien, bien, bien. Ouais, c'est une grosse quéquette, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, voilà. Dans la ganache. Dans la ganache. De l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau ici, de l'eau là, de l'eau là. Oui, bah pourquoi pas. La maisonnée. Ouais, non, toi... Bon, écoute, on va échouer cette quête, c'est pas grave. Ici, on va réussir cette quête. Voilà, ça fait des points. Ça fait des points. Bravo, Azertiran, t'es trop fort, merci. Là, il y a quoi? Ouais, il y a des tas de bonnes choses, mais on s'en balance l'oignon, là. Et ici, on peut placer celle-là. Oh là là, j'aime pas les triptyques, là. Ils sont difficiles, les triptyques. Il faut quoi? De la maisonnée. Comme ça là, plus un. Ouais, ok. Ah, les fleurs, ça marche. Ok, voilà, ça permet, parce qu'on a fait la jonction entre les tuiles. J'espère que vous comprenez. C'est pas compliqué. Ça n'a rien de compliqué. Même le plus con d'entre vous peut comprendre ces dires, hein, parce que vous êtes quand même très très con. Mais en tout cas, vous pouvez quand même réussir. Et ça, c'est bon. Encore une quête. J'en peux plus de tes quêtes. Alors, oui, ça fait des points. Oui. Tiens, voilà. Allez, allez. Voilà, voilà. Petit verger. Double les points de toutes les tuiles à venir. Ah, intéressant. Oh, la vache. Par contre, à placer, c'est colossal. Ok, on va le placer là. De l'eau. Bah, toujours dans la zone d'eau. Hein. Je suis désolé. Hein. Désolé d'enculer les cochons, mais on va garder ça comme ça. Là, plus 4, c'est très bien. Une montagne. La montagne, ça vous gagne. La montagne, on s'en fout. Ici, il faut que je mette quoi? Ah, rien du tout. Voilà, il me faudrait une forêt. Ouais, forêt. Et ensuite, il faudra une fleur. Ah, c'est bon, j'ai bientôt une fleur. Une maisonnée. La maisonnée, plus 3. L'arbre. L'arbre des mille et une putes. On le place là-bas. Voilà. Et la fleur, ici. Et hop, bim. Pile avant de perdre, pile avant d'échouer. Il me restait qu'une seule tuile. Et bah, j'ai obtenu le bonus car j'ai accompli la quête. Et ça, vous allez me dire que c'est exceptionnel et vous auriez raison. Oh, plus 12. Ah ouais, ça fait du gros point, ça. Ça fait du gros point partout, là. On aime bien plus 5, plus 9. Allez, dans la ganache. Voilà, à peine posé la quête, on l'a réussi. Ça fait du point, hein, ça fait du point. On va essayer de rejoindre là-bas ce... C'est vraiment comme Dorf Romantique. Hein. Allez voir la vidéo que j'ai pu faire sur ce jeu sur ma chaîne, mais c'est vraiment... C'est vraiment similaire, c'est tout cosy, c'est tout calme, c'est tout tranquille. On a envie de s'endormir, hein, après avoir fumé une bonne pipe, comme on dit dans le jargon. Ça fait plaisir. Bon, ça c'est bon. Voilà, plus 4, des champs de blé, les champs, le blé, on fout là. La montagne, j'ai les montagnes là-bas, j'ai les montagnes, plus 3, plus 3, plus 3. C'est bien, les montagnes, ça vous gagne, la montagne. C'est comme la Bretagne, mais en plus haut. Des arbres en fleurs, des tas de conneries là. Oui, bon écoutez, des tas de choses. Voilà, la montagne. Oh, j'ai obtenu un bonus. Pas coup. Mairie rurale. Ouais, bah très bien, une mairie là. Une mairie, tiens. Est-ce que je peux. Ah non, je peux le placer là. Va pour la mairie. À chaque fois, je les place loin, mais je pourrais les placer plus proche. Hein, mais c'est histoire de bien appréhender le bidule chouette, comme on dit dans le jargon de la bidulerie. Là, faudrait vraiment que j'atteigne un peu ce bordel. Voilà, encore des points. Hop. Ici, je peux placer ça. Ici, encore une quête. Des arbres. Voilà, une fleur ici.
de l'eau. Ouagada, Ouagadougou, Ouagadougou, de l'eau là, des plantes là. Voilà, et puis là, là ça va être... voilà, là c'est l'échec, là c'est l'échec au là. Non, mais on a fini, on a terminé, partie terminée, score, 9 minutes, admirer la vue, en plus on peut admirer, vous voyez, c'est beau, c'est poétique, c'est romantique, on a envie de s'embrasser, on a envie d'aller dans ce petit clocher, d'aller au fin fond du tabernacle, et de faire des tas de choses, bah des tas de choses un peu sales, mais ma foi, au demeurant, tellement délicieuses, des petits papillons. Enfin voilà, écoutez, c'était Panorama. Je vais pas continuer plus longtemps que ça, parce que vous avez compris le principe, c'est un jeu casu, c'est à jouer de temps en temps. Hein, je vous déconseille d'y jouer 8 heures d'affilée, je pense bah, que si vous faites ça, vous êtes complètement timbré, mais après vous avez le droit, hein, grand bien vous fasse. C'est sorti le 9 mai 2023, c'est développé par Chicken Launcher, édité par Awaken Realms, et c'est sympa, voilà. Moi, c'est le genre de petit jeu que je peux lancer en rentrant du boulot, ou entre deux commissions. Je trouve ça, ma foi, bien agréable. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Gros bisous à tous, à bientôt, bye bye, salut.